Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Voici ton journal de news de Blue Lock, le Galaxy Blue Lock Info, un récap express de toutes les infos de ton manga foot 100% égoïste. On commence ce journal des news de Blue Lock avec du jeu vidéo et le reveal du teaser pour le jeu Blaze Battle, où on peut voir des animations 3D de tes persos qui feront parler, car si c'est le rendu final, eh bien perso, je ne suis pas trop fan de cette 3D proche des loupés qu'on avait eu dans la saison 1 de l'anime. Dans le précédent Galaxy Blue Lock Info, je t'ai dit que le jeu Project World Champion serait dispo en anglais et probablement dans le reste du monde. Voici un visuel qui te fait cette annonce, mais de manière détournée, avec la World Team qui avait affronté nos Blue Lock. Fort à parier que ces 5 là seront jouables avec des stats incroyables. En France, tu le sais sûrement, mais Pika Edition t'a encore sorti une jaquette limitée pour le tome 18, dispo dans les Fnac, avec Henri Thierry, l'assistante de Ego, faisant une pose sensuelle. Dépêche-toi pour te la procurer, ou sinon il y a les sites de revente. Toujours côté manga, le tome 28 au Japon n'a toujours pas sa cover, mais on sait que pour le tome 29, dans l'édition spéciale, les stickers seront sur NES et Kaiser. Il sortira le 16 mai 2024. D'ici là, le film sur le spin-off épisode Nagi sera déjà dans les salles obscures au Japon et donc on n'en sait plus sur sa sortie. Le groupe de J-pop surfant sur une musique teintée de hip-hop et d'auto-tunes, Nissi feat. Sky High, avec le titre Stormy, fera l'opening du film. Là aussi, le choix du groupe n'est pas anodin quant au marché ciblé. Un public plutôt féminin, car avoir le graphique publié par le Nikkei, l'équivalent du Wall Street Journal au Japon, Blue Lock a dorénavant un public majoritaire de filles au Japon. Ce qui valide ma vidéo analyse du business plan Blue Lock Boy Band à crampons. Ainsi, niveau produits dérivés pour le film, ça s'emballe vu qu'on aura des bandes presto de Reo et Nagi en tenue de joueurs du lycée Akuo, dispo le 26 mars prochain. Et en exclu, le premier visuel de la Q-Posket de Reo avec des chaussures dorées. D'ailleurs, pour la série Look Up, faite par Mega Hobby, on nous a dévoilé la prochaine figurine, celle de Reo, uniforme Team V, qui rejoindra Bashira, Isagi, Nagi et Shigiri à la collection. Chez Animate, voire mais Inside sur ce magasin, ils vont sortir pour célébrer le film épisode Nagi, Nagi et Reo, en mode Sherlock Holmes. Niveau collaboration, le championnat de football japonais organisé le match de la Super Coupe et un goodies en particulier était en vente avec Blue Lock, un sac exclusif avec les mascottes des équipes de la JFA. Durant la nouvelle saison de football professionnel, la collab s'articulera autour des mascottes et des Blue Lock format chibi. La Saint-Valentin étant passée depuis un moment, il faut quand même en parler. Blue Lock surfe sur le jour des amoureux avec la collection Chocolate Coordination disponible en mai prochain. Qui dit chocolat dit biscuit, qui peut aller avec? On a eu aussi cette semaine la découverte des biscuits Blue Lock avec nos héros dans leur version formation schéma tactique. Si tu kiffes l'art contemporain et le pop art façon Andy Warhol, tu peux te jeter sur les visuels de Blue Lock façon pop art. Très cool à accrocher dans ta chambre. Dispo sur Surugaya. Blue Lock se refait une série avec Retopop, la cinquième déjà, en mode cyberpunk, où tu peux voir le retour de Kira. Tu te souviens de la série Ballon Bouquet? Voici en vidéo à quoi correspond les stands en acrylique. Bandai va sortir de nouvelles figurines en capsule le 27 février où cette fois nos Blue Lock sont en tenue de lycéens. Je t'avais parlé du prix hallucinant d'une veste Sukajan Blue Lock autour de 240 €. Eh bien ce n'est pas qu'une mais 4 modèles disponibles. La Blue Lock Man bleu classique, la Isagi en vert, en noir la Nagi et en violet la Reo. Le choix de Nagi et Reo est sûrement lié à la sortie du film. Autre merc insolite, des bracelets pour filles plaqués or avec le prénom de nos Blue Lock. On a Yoichi, Meguro, Ioma, Seishiro, Reo et Rin. Sorti en mai 2024 pour le prix de 12 €. Pour Pâques, Blue Lock aura sa collection Easter avec une influence très Alice au Pays des Merveilles. Une touche Summertime avec nos Blue Lock en chemise très 80s début des années 90. On a eu la série Performance Style lancée par Banpresto depuis le 16 février. Un côté vestimentaire très boy band rock anglais. Des stickers pour téléphone dispo le 18 mars pour customiser ta coque de téléphone. Une nouvelle série qui s'appelle Iyaki Yako
en mode exorcisme japonais à partir du 1er mars. Une autre collection où nos Blue Lock sont en habits traditionnels, Gravy Gyozan Dandadan, où pour le coup, même Noël Noah est inclus. Ce qui m'amène à parler Neo Egoist League, où lors de la Blue Lock Exhibition, des goodies de cet arc étaient dispo, comme des stands en acrylique, des Blue Lock avec leur maillot de club. A noter que chaque perso a son set de badges personnalisé, voici Barrow et Rin. Et pour finir ces news de Blue Lock, une nouvelle série de figurines arrive et elle est produite par Tenitol. Isagi et Bashira en tenue Blue Lock sont les premiers modèles, prévus pour septembre 2024. Les premiers visuels donnent l'impression d'une figurine plus détaillée que celle de chez Banpresto. Voilà, ton journal Galaxy Blue Lock Info est terminé, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories et de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao!